Bonjour, chers amis, comment allez-vous en cette journée grisonnante? Tout est gris, tout est morose, il fait froid, on a envie de dormir, on a envie de dormir, s'engloutir dans les bras de son chéri, ça vous dit quelque chose? Admirez un peu mon look du jour. Une chemise blanche avec des petites dentelles noires, un petit foulard noir simple, simplement attaché. Simplement attaché comme ça. Voilà, admirer un peu. Bonjour, je suis Hortense Didoko. Bienvenue sur ma page, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous bien en cette journée? Pas du tout, il fait pas du tout beau. J'espère que vous vous portez bien. Bon confinement, bientôt la fin du confinement, enfin, mais prions pour la suite. Prions qu'il n'y ait pas d'autres. Qu'il n'y ait pas d'autres virus, si d'autres virus ne réussissent, ne fassent pas, excusez-moi, ne fassent pas surface. Eh oui, c'est les aléas des vidéos, hein. On ne va pas tout le temps bien s'exprimer, on peut se tromper, se répéter. C'est ça, les débutants, je suis débutante, donc il faut me comprendre. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui des ex. L'erreur à ne pas commettre quand tu rencontres un nouvel chéri, un nouveau chéri. L'erreur à ne pas commettre, l'erreur à ne pas commettre dans tes dires sur tes ex, ton ex ou sur tes ex, à ne même pas commettre. Mais alors là, pas du tout. Ne commettez pas du tout cette erreur. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont intelligents. Ils sont très intelligents. L'homme, il t'écoute, il t'observe. Il t'écoute, il t'observe. Il peut faire le pire. Il peut faire la même chose comme il fait faire le pire. Donc, les chères femmes, et ça, c'est les femmes, ça. La femme parle trop. La femme a la grande gueule. La femme, c'est pas garder un secret. La femme ne sait pas se retenir à ce qui concerne la parole, elle parle trop, blablabla. Elles disent tout au nouveau chéri. Chose qu'il ne faut pas faire. Le nouveau chéri, hein, tu ne sais pas s'il est là pour toujours, tu ne sais pas s'il est là pour un moment, tu ne sais pas s'il est venu pour se casser, pour coucher et partir, tu ne sais pas si c'est éphémère, tu ne sais pas si c'est sur une longue durée, votre relation. Donc, les femmes, blablatage, fermez-la un peu. Fermez-la vraiment. Arrêtez de dénigrer vos ex auprès de vos nouveaux amis, vos nouveaux chéris. Arrêtons, nous les femmes, arrêtons. On sous-estime trop nos ex parfois. Même si l'ex t'avait fait du bien, dès que tu rencontres le nouveau chéri, ça y est, l'ex, c'est lui le diable maintenant. Tous ces défauts qu'il avait, c'est ce que tu dis à l'autre. Mon ex me battait, mon ex était trop jaloux, mon ex était trop possessif, mon ex ne m'entretenait pas, mon ex ne me regardait pas, mon ex ne faisait même pas l'amour, mon ex me honnit en public, mon ex ceci, mon ex cela. L'erreur à ne pas du tout commettre, que c'est. Nos façons de parler. Quand tu rencontres un nouvel chéri ou un nouveau chéri, on lui dit tout ce qu'on a dans le ventre sur notre ex. Chose à ne jamais faire. Où je me suis fait avoir par mon ex, je lui ai donné tant, il a fui avec. Voilà, non, lui-même, il m'a trop maltraité. Celui à qui tu parles, celui à qui tu dis tout, ton nouveau chéri, qu'est-ce qui te prouve qu'il ne va pas te faire la même chose? Même pire, il peut te faire pire que ton ex. Parfois, nous les femmes, hein, en général, je dis les femmes parce que nous les femmes, on bavarde trop sans s'en rendre compte. Tu rencontres un nouveau chéri, tu es là, tu parles de ton ex en mal, jamais à bien, pas du tout en bien. Mon ex ceci, mon ex cela, parce que tu vois un qui est nouveau devant toi. Comme on dit le proverbe ivoirien, il dit, tout nouveau
tout beau. Mais tout nouveau, tout beau. Est-ce que tu sais que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que tu sais qu'il est bien, il est bien pour toi? Est-ce que tu sais qu'il est fait pour toi? C'est des questions qu'il faut te poser. Qu'est-ce qui dit que tout ce que tu lui racontes sur ton ex, lui, il ne va pas faire le pire? Il ne va pas faire la même chose, il ne va pas faire le pire. Qu'est-ce qui te dit ça? Il ne va pas faire tout ça. Donc, on en a là, on parle, on parle, on parle. Mais au fur et à mesure des relations, lui, le nouveau, il est bien au début. Mais tu t'es confié à lui. Il a tout analysé dans sa tête. Il n'est pas bête. Tout ce que tu as dit sur ton ex, petit à petit, tu vas voir que il refait la même chose de tout ce que tu disais sur ton ex. Il refait exactement la même chose. Tout ce que tu disais sur ton ex, tu constates que pour les filles qui ont vite les yeux ouverts, constate tout de suite que le monsieur répète la même chose. Mais celle qui est aveuglée, ne remarque pas ça tout de suite. Elle se fait aussi avoir comme ça, elle part. Et ces gens-là les laissent comme ça. Elles se font très, très, très avoir. Elles se font vite avoir et ils se cassent après. Ils disparaissent de la nature. Donc, le monsieur, tu constates qu'il fait la même chose, il répète la même chose. Tout ce que tu lui avais dit, qu'il répète. Si c'est un type qui n'est pas sérieux, s'il est là pour jouer avec toi, lui, il va répéter. Il va te faire même pire ce que ton ex te faisait. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, ou chères sœurs, carrément, chères femmes, sachant tenir nos langues. Quand tu rencontres un nouvel ami, dis-lui du bien de ton ex ou de tes ex. Moi-même, j'ai expérimenté. En tant que femme, même, j'ai fait pareil. Mais j'ai remarqué que tout ce que je disais en mal de mes ex ou de mon ex, le monsieur qui était devant moi faisait la même chose. Ou il disparaissait carrément et tu ne sais pas où il est. Ça arrive à toutes les femmes, ça. C'est les situations même qui arrivent aux femmes. Où il constate quelque chose qui n'est pas bon sur toi. Et jamais il va te le dire. Parce que chez lui, il est venu pour passer un temps. Il n'est pas venu pour passer sa vie avec toi. Donc, tout ce que tu lui dis sur ton ex, il va t'écouter très, 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 très bien. Tout ce que tu dis de mauvais, c'est ça, il va écouter. Ce que tu dis de bon, jamais il va écouter. Et il va refaire exactement la même chose. Donc, les filles, de grâce, quand tu rencontres un homme, toi, ma soeur femme, quand tu rencontres un homme, ou ma chère copine, ma chère soeur cousine et compagnie, évite de dire du mal de ton ex. Et ça, tout le monde le répète à chaque fois. Arrêtons de dire du mal de nos ex. Arrêtons. Dis plutôt du bien. Même tout, si c'est faux ce que tu dis sur ton ex en bien, dis. Tu vas voir que lui, il va réfléchir, il va bien agir avec toi ou il va faire mieux que ton ex. C'est les hommes aiment la concurrence dans les femmes. Ouais, lui, il a fait ça, j'ai attendu qu'il a fait ça de bien. Je vais faire mieux que lui. Il a fait ceci, je vais mieux me comporter que lui. Il a fait cela, je vais faire plus encore que lui. Donc, voilà. Évitons de parler ce genre, évitons de dénigrer nos ex devant nos nouveaux amis, devant le nouveau chéri. Il faut arrêter de dénigrer ton ex-chéri. C'était mon message du jour. Même moi, j'ai vécu plusieurs histoires comme ça. Hein. Tu parles tout le temps de ton ex, toi, tu étais naïf. Oui, il m'a fait ça, il m'a fait. Tu pensais lui qui est devant toi, il est mieux que lui. Alors que c'est le pire qui se produit. Il fuit même sans même te donner des nouvelles. Il fuit complètement, il change des contacts. Quand tu appelles, ouais, je suis en réunion. Quand tu appelles, ouais, j'étais à l'étranger. Quand tu appelles, ouais, j'étais tant, tant, tant. Jamais il te dira que je suis parti, je ne veux plus de toi. Ils ne sont même pas honnêtes, ils ne sont même pas francs. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Et ils se cassent comme ça, tu le perds comme ça. Donc, évitons de parler de dire du mal de nos ex. Voilà, retenons aussi le bon côté de l'ex. C'était mon message du jour.
Portez-vous bien. Ce côté garçon aussi, c'est pareil. Hein. Que ce soit fille, garçon, c'est pareil. Évitons de dire du mal de nos ex. Disons du bien de l'ex devant le petit ami, devant le nouveau chéri. Tu vas voir que lui, il va mieux se comporter. C'est l'expérience que j'ai vécue. C'est l'expérience que toutes les femmes ont vécue. Voilà, c'était mon message du jour. Portez-vous bien. Bon confinement. On est ensemble. Il ne fait pas beau. Il fait gris. Si toutefois ma vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de partager, de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si j'ai maintenant une nouvelle chaîne YouTube, je suis toute nouvelle dessus. Donc, merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bisous, bisous. Bonne journée. On se tient. Bye bye. À bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure. Bisous, 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 bisous.